Bah, tout le monde, c'est Christophe Chatillon, surtout pour les Breaking News. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler eh bien de YouTube qui a instauré un nouveau petit truc. Enfin, même si ça existait déjà, en gros, ça a été amélioré. Et ça, je savais même pas qu'il y avait cette, eh bien, cette option, en tout cas dans le gestionnaire des vidéos. Donc, en gros, eh bien, c'est la possibilité de flouter que ce soit des personnes et des objets. Donc, quelque chose qui a été amélioré par YouTube et qui a été instauré par contre que pour l'instant, eh bien, que sur des postes fixes ou des PC portables. Normalement depuis les smartphones on n'a pas la possibilité de le faire, mais ça risque de venir eh bien dans quelques semaines ou peut-être dans quelques mois. Donc on n'a pas plus d'informations eh bien au niveau des sur des applications en fait sur les smartphones, au niveau de l'application YouTube. Mais en tout cas c'est quelque chose qui a été progressé. Pourquoi je dis ça? Parce que eh bien parce que ça pose pas mal de problèmes lorsque on fait une vidéo dans la rue, ou par exemple les gens qui moi je voulais faire un moment eh bien des vidéos avec une petite GoPro et se filmer monter sur sa moto, moi c'est mon petit scooter, et faire des petites vidéos comme ça avec des abonnés ou avec, avec des potes. Et bah le problème c'est que déjà tu filmes des gens dans la rue, donc eux n'ont pas peut-être forcément envie eh bien d'aller sur YouTube. Hein, bon c'est vrai que ça crée plein de petits problèmes. Moi je trouve que c'est vrai que bon, encore le visage je comprends, mais qu'il y a eu certains youtubeurs qui ont eu de gros problèmes. Un youtubeur, je me rappelle plus de son nom, mais il a eu d'énormes problèmes avec aussi eh bien s'il a filmé avec sa GoPro, des plaques d'immatriculation, forcément il roule sur sa moto, voilà, devant lui il y a des véhicules, donc il y a une plaque d'immatriculation, et qu'il a eu une amende à cause de ça, parce que la personne a porté plainte, parce qu'il y avait sa plaque d'immatriculation sur la vidéo. Bon, on n'est pas là pour faire un débat, moi, une plaque d'immatriculation, je trouve qu'il n'y a rien de grave, sachant que le gars, il a fait peut-être 10-15 minutes de vidéo, et qu'il en a filmé plein de plaques d'immatriculation, donc je trouve ça pas gênant, mais la personne, en tout cas, avait le droit de porter plainte, hein, parce que forcément, il y a sa plaque d'immatriculation, qui doit normalement ne pas être diffusée, en tout cas comme ça, sur YouTube. Et si vous voulez, là, ça a été amélioré, puisqu'on a cette option de floutage, pour les visages, donc ça se fait directement, je viens de regarder à l'instant, donc vous allez sur votre chaîne YouTube, dans le gestionnaire des vidéos, vous aurez un petit truc comme effet, quelque chose comme ça, vous cliquez dessus, et sur votre droite, vous avez option de floutage. Et ça c'est pas mal parce que vous allez pouvoir maintenant flouter, donc que ce soit un visage en continu, hein, parce que la personne va se déplacer forcément, et que comme ça va flouter tranquillement et bien en continu. Et en même temps vous allez pouvoir aussi flouter des objets, ou alors par exemple des plaques d'immatriculation et tout, forcément, parce que ça crée des petits soucis après. C'est pour éviter que les youtubeurs voilà, se fassent entuber après. Moi je trouve que c'est dommage aussi d'en arriver là, hein, bon un visage je peux comprendre, mais c'est vrai que quand on arrive à un objet, des plaques d'immatriculation et tout, bon voilà, moi je comprends moyennement sur ça, mais en tout cas ça a été amélioré, donc ça évite aussi surtout aux youtubeurs et eh bien d'utiliser des logiciels comme par exemple Premiere Pro ou After Effects. D'ailleurs moi ce qui est dommage, bah comme ça je peux en parler, je pouvais pas utiliser, enfin mon logiciel de montage vidéo n'utilise pas l'option de floutage, hein, c'est quelque chose voilà qui normalement se fait par exemple avec After Effects, des logiciels quand même assez sophistiqués. Bon ça cause pas mal de problèmes parce que c'est des fichier quand même assez lourd, ça porte, ouais, ça fait pas mal de mégaoctets, enfin bref, il y a plusieurs gigas même, honnêtement, c'est ce genre de logiciel, et puis ça, je trouve, ça contamine beaucoup l'ordinateur. Quand on a un ordinateur pas puissant, ça on va dire en termes de ressources, ça prend beaucoup trop, et voilà, je trouve ça pas très agréable. C'est pour ça, moi, j'ai opté, eh bien, pour un logiciel de montage vidéo relativement simple, mais à la fois qui puisse, enfin, en tout cas, répondre à mes besoins. Et malheureusement, j'ai pas cette option de floutage. Moi qui voulais faire des vidéos, voilà, avec ma GoPro et tout, ça, j'en ai parlé sur Facebook, et le problème, c'est que, voilà, moi, je peux pas flouter les plaques d'immatriculation et tout, et sachant que il y a un youtubeur, il s'est pris une amende. Bon, moi je me dis que je vais pas prendre le risque et j'ai pas forcément envie de me prendre une amende. Mais là, il va falloir que je teste un peu et eh bien dans cette application, enfin en tout cas cette option qui a été rajoutée par YouTube, même si elle existait, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment regardé, mais en tout cas là elle a été améliorée, donc on peut même faire des objets, donc c'est sympa, franchement moi je suis assez content. Donc ça c'est une petite information au niveau de la plateforme YouTube. Je trouve que c'est important, c'est vrai que dès que je vois qu'il y a une petite nouveauté sur YouTube, bah je le dis parce que on est quand même sur la plateforme, et que c'est sympa aussi de de pouvoir utiliser un peu toutes les options sur cette plateforme là. En plus elle est gratuite, donc quand tu fais des vidéos et tout, bah si tu peux utiliser l'option de floutage parce que tu fais des vidéos vlog ou des vidéos ouais même des vidéos vlog, hein, ça doit rentrer dedans, et bien même des vidéos
vidéo, par exemple vlog en moto ou en scooter, eh bien voilà, il faut trouver une solution, une alternative à tout ça. Et ce qui est pas mal aussi, je rajoute un petit truc, c'est que vous avez par exemple uploadé une vidéo il y a un an et qu'il y a une personne qui réclame en disant on me voit sur la vidéo, j'ai pas envie d'être dans la vidéo, ou alors vous me floutez, eh bien t'as pas besoin de supprimer la vidéo et de la re-uploader après. En fait, t'as juste à aller dans modifier la vidéo et puis après dans les paramètres, comme je l'ai dit dans le truc qui est fait, et puis après d'aller dans l'option floutage, et tu peux flouter même si la vidéo est sortie il y a un an ou deux ans. En fait, YouTube va faire le petit montage, donc ça c'est sympa aussi, ça t'évite de supprimer quelque chose pour la re-uploader après. Donc ça, je trouve que c'est un progrès, et puis c'est quelque part en notre faveur, enfin en quelque sorte, c'est-à-dire que pour les gens qui fassent des vidéos sur YouTube et tout, et bah c'est un bon petit plus. Comme ça, si tu filmes quelqu'un, il n'a pas envie et tout, bah tu fais ok, d'accord, bah je vais te flouter là tout de suite en direct, voilà, modifier et tout, tu floutes, tu fais la petite option de quand à quand tu veux flouter ce visage par exemple ou cet objet, et bien comme ça après t'es tranquille. Bon, c'est vrai que cette vidéo ne va pas intéresser forcément tout le monde, mais je pense que c'est important quand même de savoir à peu près au niveau des dernières nouveautés sur YouTube, et puis surtout pour les youtubeurs, voilà, qui ont eu peut-être un petit souci comme ça, ne supprimez pas la vidéo, vous avez cette option. Cette possibilité en tout cas de flouter dans la modification en fait de la vidéo. Donc ça sert à rien de supprimer, parce que c'est vrai qu'il y en a qui suppriment et tout, et c'est dommage parce que après tu perds tes vues, les gens quand tu vas la re-uploader, les gens ils l'ont déjà vu, donc ils vont pas cliquer dessus. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que quand tu vas uploader pour une vidéo, faut que ça se fasse en une fois, faut pas la re-uploader après parce qu'il y a un problème, voilà, une personne tu l'as pas flouté et tout, alors que là tu peux modifier directement dans les paramètres, donc c'est super. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée et c'est une bonne chose. Voilà, merci beaucoup les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo voilà, au niveau des mises à jour de YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.